derrière les dos. Ils se sont tenus à distance avec un grand fouet et ils l'ont flagellé jusqu'à ce que ses précieuses côtes sont devenues visibles dans son dos. De son côté, le sang tombait au sol en clapotant. C'était le sang de Dieu. Pourquoi crucifié Jésus la seconde fois dans ta vie, toi mon bien-aimé? N'oublie pas, mon frère, que Jésus est la parole. Faire le contraire de ce que la parole dit, c'est crucifier Jésus de nouveau. Je le vois prendre et mettre sur son dos cette croix rude couverte de boursiflures. Je le vois qui monte la montagne de Golgotha avec la croix sur son dos endolori. N'oublie pas, mon frère, que Jésus est la parole. Faire le contraire de ce que la parole dit, c'est crucifier Jésus de nouveau. Mais pourquoi crucifier Jésus la seconde fois? Sortir de la tombe ces jours-là, ses lèvres saignaient seulement pour tes péchés, criant au secours à la croix du calvaire. L'écran clou cruel enfoncé dans ses mains et dans ses pieds, tout cela pour toi, pour tes péchés. Mais n'oublie pas, mon frère, que Jésus est ce message. Rejeté une seule parole, c'est enfoncer de nouveau les clous dans les mains de Jésus. Mais pourquoi crucifier seconde fois dans ta vie, toi ma bien-aimée? Ce ne sont pas des clous qui l'ont tué, même pas la lance ou la couronne, c'est plutôt
des péchés. Regarde combien il a souffert, abandonné même des cieux, et il a subi la mort ignominieuse, lui qui n'a jamais commis de péché, mais à cause de tes péchés, il est mort. Oh, à la croix, ah, ah. Pourquoi crucifié Jésus la seconde fois dans ta vie? Toi, ma bien-aimée, ben n'oublie pas que Jésus est cette parole. Faire le contraire de ce que la parole dit, c'est crucifié Jésus de nouveau. Oh, oh, oh. Pourquoi crucifié? Seconde fois, dans ta vie, dans ta vie, toi mon bien-aimé.